Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne. Car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Allez, on est parti les amis. Pourquoi je ne suis pas féministe? Let's go. Donc, je vous présente aujourd'hui les 4 raisons pour lesquelles je ne suis pas féministe et comment je me définis sur la question des rapports entre les hommes et les femmes. Première raison, le féminisme est une guerre contre la virilité. Pour les féministes, l'ennemi à abattre, c'est le principe masculin, c'est l'homme. Et leur volonté, c'est la destruction de tout ce qui rappelle la figure de l'homme et la figure du père. Alors évidemment qu'en tant que femme, on aura toujours un jour ou l'autre une expérience malheureuse avec un homme. Parce que les relations hommes-femmes sont difficiles à garder civilisées, surtout dans une société égalitariste et chaotique, mais une société sans hommes, ça n'existe pas, et heureusement. D'une, parce qu'il faut être deux pour se reproduire et ainsi continuer d'exister et de perpétuer une civilisation. De deux, parce que les hommes ont les qualités nécessaires pour bâtir une société qui fonctionne. Ce sont des bâtisseurs, des protecteurs et des transgresseurs. Donc la question est, comment faire pour que les hommes et les femmes puissent vivre dans une société où chacun peut exprimer ses qualités? J'ai quelques propositions là-dessus, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous les expose. Je peux vous assurer que c'est pas Marlène Schiappa que vous entendrez dire ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas le féminisme qui a trouvé la solution. Au contraire, il produit des relations hommes-femmes qui sont très malsaines, avec d'un côté des hommes soja et de l'autre des harpies hystériques. Et puis les conséquences du féminisme, c'est peu de mariages, de moins en moins d'enfants, donc un taux de natalité qui baisse de façon conséquente, et surtout de moins en moins d'hommes et de femmes qui acceptent de partager leur vie. Avant d'aborder la deuxième raison pour laquelle je ne suis pas féministe, c'est le moment de vous abonner à cette chaîne si jamais la vidéo vous intéresse. Saviez-vous qu'à peu près 52% des gens qui regardent régulièrement mes vidéos ne sont pas abonnés. Alors c'est le moment de rectifier ça pour me soutenir, c'est le moyen le plus simple que vous ayez de le faire. Activez la cloche de notification sinon que YouTube ne vous alerte pas des nouvelles futures vidéos. Deuxième raison donc, le féminisme fait la guerre à notre civilisation. Alors pour revenir à ce qu'elle dit au début, bon ben ça fait plaisir. Hein. Enfin une femme qui reconnaît une chose, c'est que l'homme a été, et l'histoire l'a prouvé, hein, essentiel dans la construction de cette société. Donc encore une fois, vous voyez, c'est assez drôle de voir que de nos jours, on va essayer vraiment de déconstruire le modèle masculin, de déconstruire au final l'être qui a fondé les bases de cette société dans laquelle nous vivons. Et c'est vraiment intéressant son point. Alors on va éviter bien sûr les pics sur Marlène Schiappa, etc. Mais il y a le côté, tu vois, elle a utilisé le mot « transgresser », tu vois. L'homme a cette capacité de transgresser. Et ça, vous voyez, on a appuyé sur ce point-là plusieurs fois et j'en parle souvent. Je dis que l'homme, ce qui fait vraiment, pour moi, la qualité, une des qualités les plus fortes de l'homme, c'est cette envie de transgresser. Mais transgresser quoi? C'est vraiment quelque chose de global. Ça peut être de par ses idées, de par son envie de conquérir son environnement, transgresser peut-être même les règles par moments, ce qui peut être nécessaire. Enfin, l'homme a toujours eu cette volonté, et moi j'utilisais plus le mot même pénétrer vers l'inconnu, aller vers d'autres horizons. Alors je ne dis pas forcément que c'est une aptitude qui est propre qu'à l'homme, mais je dis que je pense sincèrement, en tout cas de mon côté, que c'est réellement dans la nature de l'homme. Ce qui n'est pas forcément le cas pour la femme. Il y a des femmes qui vont avoir ce côté à vouloir vraiment aller de l'avant, mais c'est déjà beaucoup plus rare et généralement elles vont avoir cette énergie masculine. Donc encore une fois, ça va ramener à l'homme. Bien. On peut continuer. En tout cas, son point de vue est très intéressant. Le féminisme, ce n'est que l'avatar de l'idéologie égalitaire. Une idéologie égalitaire qui pousse... Ah merde, j'ai pas lu le deuxième point. On va revenir. Voilà. Activez la cloche de notification sinon que YouTube ne vous alerte pas des nouvelles futures vidéos. Deuxième raison donc, le féminisme fait la guerre à notre civilisation. Le féminisme, ce n'est que l'avatar de l'idéologie égalitaire. Une idéologie... Attendez, pause. J'essaie juste de voir un peu, parce que ouais, je vais avoir des problèmes là, je le sens. Alors Xavier, il n'y a que Xavier comme modo. MM Addict, Xavier, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez slider vraiment tous les commentaires de gamins? Parce qu'après, à chaque fois, on dit que ma communauté, c'est des communautés d'enfants. Bon, c'est peut-être possible qu'il y ait des enfants. Mais s'il vous plaît, tout ce qui est gamin, pas concentré sur le sujet, ça répond à côté, slider ça, dégager ça sur le côté. J'ai pas envie de voir ça dans le feed. Déjà, je regarde pas les commentaires et on m'a demandé de regarder plus les commentaires. Donc, je le fais. Mais si les commentaires que je lis sont pas intéressants, mais ne me reprochez pas de pas regarder les commentaires. Donc, encore une fois, tous les enfants, slidez-les sur le côté. N'hésitez pas,
bannissez à foison, même si on dit que c'est la dictature. J'adore la dictature. Ça a par moments eu de bons côtés dans l'histoire. Non, je plaisante, c'est une blague. Bref, dictature totale sur mon chat. Allez-y, bannissez tout le monde. Merci. Sinon que YouTube ne vous alerte pas des nouvelles futures vidéos. Deuxième raison donc, le féminisme fait la guerre à notre civilisation. Le féminisme, ce n'est que l'avatar de l'idéologie égalitaire. Une idéologie égalitaire qui pousse au ressentiment et à la jalousie. Et on voit ça très clairement appliqué dans le féminisme. Que ce soit le ressentiment et la jalousie des femmes médiocres contre les femmes admirables, donc une atteinte et une destruction de la féminité à terme. Le ressentiment des femmes contre les hommes, donc à terme destruction de la masculinité. Et voilà ce qu'elle écrit, il ne... Ou même contraire, hein. C'est vrai. Suffit pas. Tu as totalement raison, c'est dans les deux sens. Hein. De nous entraider, il faut... Destruction de la féminité, destruction de la masculinité, au final on ne sait même plus où on met les pieds. Mais au final, c'est pas tant que ça une destruction de la masculinité, parce que justement ces femmes qui veulent aller à l'encontre même des hommes ont cet esprit assez masculin. Donc en fait, on va simplement subir une inversion des choses. Et les femmes vont agir beaucoup plus comme des hommes et inversement les hommes un peu plus comme des femmes. Enfin, dans la mesure où les femmes arrivent réellement à singer la masculinité, ce qui n'est pas réellement vrai. Je pense qu'on ne peut pas singer autant que ça. Ça va être assez dur pour une femme de tenir, en tout cas, sur le long terme. Je pense que son instinct va revenir au galop. Mais vraiment, c'est l'idée plus d'inversion. Il n'y a aucune destruction, ça va juste être... Par inversion, du coup, on va détruire un côté pour remplacer par un autre et vice-versa. Du coup, ça va être une inversion. Les femmes vont avoir ce côté masculin et les hommes vont aller... C'est d'ailleurs pour ça que j'aime utiliser le terme homme tofu, homme soja. Et d'ailleurs, elle l'a utilisé au début, homme soja. Super drôle, j'adore. Faut à notre tour les éliminer. Et troisièmement, ressentiment des femmes contre leur destin, donc la destruction des devoirs collectifs. Comme partout, l'égalitarisme amène à transformer l'humanité en légion de gobelins malheureux. Un modèle pour tous qui n'amène qu'un nivellement par le bas et qui en réalité ne convient qu'aux dérangés et à personne d'autre. Troisième raison pour laquelle je ne suis pas féministe, c'est que le féminisme mène une guerre impitoyable à la beauté. Après quelques coups de pédale, la brigade... Oh non, pas elle, non. Elle m'a traumatisé, non. Oh non, le retour. Ah, elle a choisi la... C'est la bonne vidéo, mais c'est pas celle que je voulais voir. Oh là là, le retour des 2 sur 10 qui vont gribouiller sur des 10 sur 10. Bon, là, on est en plein dedans. Hein. Alors, totalement... C'était le parfait extrait pour illustrer ses propos. Félicitations, t'as choisi le bon extrait. C'est celui qu'on a analysé, c'est... C'est à la fois le pire et le meilleur. Parce que c'est le pire vraiment pour nos oreilles et pour nos yeux, mais c'est le meilleur pour ton exemple. Donc, tu as eu raison. Oh mon Dieu. Allez les gars, on est parti. On va encore une fois s'infliger de telles images. Ma foi, soyez prêts. Hein ? Fait son premier arrêt. Cette publicité n'échappera pas aux stickers sexistes. On peut pas supprimer la pub à nous-mêmes. Si d'autres événements du même type ne sont pas encore programmés, l'association attend des volontaires pour composer la brigade antisexiste. Parce qu'aujourd'hui, finalement, être féministe, c'est quoi? C'est vandaliser des pubs parce que les mannequins qui sont dessus sont trop belles et les remplacer par des grosses. C'est organiser des pétitions pour interdire le concours Miss France ou alors y mettre des grosses ou des transsexuelles. C'est être fier de se défigurer et de se rendre la plus Mais les gars possible. Mais c'est qui c'est? Mais c'est ma version femme? C'est pas possible. Ouais, je crois qu'elle travaille pour moi. Hein. C'est... Oh là là, regarde la photo en bas à droite. Oh. C'est pas possible. Mon Dieu. Je pense qu'elle travaille pour moi, les gars. On va l'engager. On va lui donner un bon salaire. On va l'engager, vous inquiétez pas. Je vais me mettre sur le dossier, là. Pour montrer à quel point on est libre des dictats du patriarcat. L'art féministe, ça se résume à se disperser son sang menstruel sur le visage et être fier de parler... C'est une blague. Attendez. C'est une blague, ce que je viens de voir. J'ai même pas envie de mettre retour... Non, je vais pas mettre retour en arrière. Non. C'est une blague, enfin... On a vu la même chose, les gars? Non, j'ai pas... Est-ce que vous avez vu l'image juste avant? Vous avez vu? Non, je ne mettrai pas retour. Vous savez quoi? Il n'y aura pas de retour. Si vous voulez faire les vieux porcs à aller mettre retour, faites-le de votre côté, moi je ne le ferai pas. Mais j'espère que j'ai très mal. J'espère que j'ai mal vu, vraiment. Non, c'est pas possible. Attendez. Bon, moi je regarde pas. Vous allez me dire ce que vous voyez. Je remets en avant. J'ai pas envie de voir ça. C'est bon. Je sais pas ce que j'ai vu. Je veux même pas savoir.
Voilà. Oh, mais. Verser son sang menstruel sur le Attendez. Oh putain, je suis tombé sur l'image. Bon, ben tant pis. Allez, voilà. Bon, ben c'est n'importe quoi. Voilà, on est en plein dedans. Bon. Si, je sais pas quoi dire. J'avais pas vu ça, les gars. Elles ont décidément des manières vraiment spéciales de faire passer leurs idées. Hein. C'est seins nus sur la place de la République. Alors, je viens de... Vraiment, vous voyez, les gars, on découvre à chaque fois. Hein. On découvre à chaque fois de nouvelles méthodes pour faire passer leurs idées. Tu vois, c'est... C'est incroyable. Bon, écoutez. On va faire comme si on n'avait rien vu. Et être fier de parler de son vagin devant des milliers de personnes. En bref, le féminisme, c'est toujours plus de laideur, de médiocrité et d'obscénité. Quand on est de droite, on a un goût pour l'ordre, la beauté et l'excellence. C'est tout à fait logique, il y a un lien évident entre éthique et esthétique, et tout ce qui est laid de l'extérieur ne peut que cacher une grande laideur intérieure. Dédier sa vie à créer de la laideur, d'abord c'est néfaste pour soi, c'est néfaste pour les autres, et c'est surtout néfaste pour les générations futures. C'est un impératif moral que de se battre contre ceux qui passent leur existence à détruire ce qui est beau pour le remplacer par ce qui est immonde et repoussant. Quatrième raison, enfin, pour laquelle je ne suis c'est fort vrai. Pas féministe, c'est que le féminisme mène une guerre contre la féminité. Et oui, ça peut paraître paradoxal, mais en fait... Exactement. C'est ce que j'expliquais d'ailleurs au début. Fait logique. En fait, la vision de la femme qu'ont les féministes, ce n'est pas du tout la mienne. Tout leur combat, c'est la mise à mort des figures classiques de la féminité pour les remplacer par des semi-femmes ou des anti-femmes. Soit vous êtes une féministe à l'ancienne et votre destin c'est de complexer d'être une femme, de chercher à tout prix à se rapprocher de ce qu'est un homme, de dénigrer constamment les valeurs féminines comme si elles étaient par essence dégradantes, négatives et péjoratives. Vous refusez à tout prix de vivre votre vie avec un homme, vous vous refusez au bonheur d'être mère, vous n'acceptez pas le fait de ne pas être un homme. Résultat, vous sombrez dans la solitude, la dépression, l'hystérie, ou alors au choix, vous décidez d'être féministe contemporaine et vous défendez les transsexuels qui sont grosso modo des hommes qui se mutilent pour ressembler à des femmes. Et on se retrouve quand même très vite avec des contradictions de taille avec la défense de la féminité, notamment quand on a accepté récemment que des combattants hommes transsexuels puissent combattre face à des femmes dans des combats de MMA, et donc ainsi légaliser l'ultra-violence envers des femmes, tout ça pour faire plaisir à des malades mentaux et pour que tout le monde puisse se faire de l'argent dessus. Ou encore vous avez ces athlètes féminines qui travaillent d'arrache-pied toute l'année pour obtenir des résultats et qui se font rafler la coupe par des hommes à cheveux roses dans leur propre discipline. Car oui, il existe une inégalité biologique entre les hommes et les femmes. Ils ont des différences musculaires, osseuses, hormonales, psychologiques. Différences qui ont ensuite engendré des comportements, des goûts, des centres d'intérêt qui sont propres et différents entre les hommes et les femmes. C'est d'ailleurs ce que nous apprend la psychologie évolutionniste que je vous ai rapidement évoqué en début de vidéo. Et d'ailleurs, si vous vous intéressez à la question et que vous voulez avoir une première approche sur ce sujet, j'avais beaucoup apprécié le livre de Julien Rochdy, L'amour et la guerre, qui traitait notamment de cela. Je suis désolée, j'ai pas le livre avec moi, donc je peux pas... Je vous conseille le livre, hein, les gars. Je vous conseille le livre, au passage. Je vous conseille rarement des livres, mais je vous le conseille. C'est intéressant. Le concept est intéressant. Je vais pas vous le montrer, parce que, comme vous avez peut-être remarqué, j'ai déménagé il y a pas longtemps. Je vous mets le lien de son site internet dans la description. À l'époque, je vous avais fait un petit post dessus sur Instagram avant que je me fasse bannir de ce réseau social. J'en profite pour vous dire que si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, allez sur mon canal Telegram, le lien est dans la description, je vous mets aussi le lien ici. Rejoignez-moi là-bas, c'est une manière de me soutenir qui vous coûte pas grand-chose, mais qui moi m'aide beaucoup. Je ferme la parenthèse. Finalement, pour être féministe contemporaine, il vous suffit de vous battre pour le droit des hommes à se déshabiller dans les vestiaires féminins. À ce sujet, je vous conseille vivement le documentaire What is a Woman du journaliste américain Matt Walsh. Je vous mets le lien évidemment dans la description. Il explore vraiment très bien ce sujet. What is a woman? Can you tell me that? Well, you're at the Women's March. You must have some idea. A woman is not anything in particular. There is not one particular thing. It could be many things to many people. Some women have penises, right? Some men have vaginas. C'est drôle, c'est instructif, et ça va permettre surtout de comprendre le genre de délire qui vont arriver en France dans les prochaines années, si ce n'est déjà le cas. Le féminisme... C'est à peu près ce que je disais. Alors, je ne sais pas si ça vient des États-Unis ou... Les Anglais, je sais pas, ça doit venir peut-être des USA. Ce que je disais, c'est que si on suit les Américains, on va finir dans la même merde. Hein. Si on suit les Américains dans leurs conneries, le pays va très très mal tourner. Ne suivez jamais les Américains, ça ne sent pas bon. Si les Américains sont sur un coup, généralement, ça ne sent pas bon, les amis.
ça ne sent techniquement pas très très bon. Croyez-moi, ne suivez pas trop les Américains. C'est la pire chose que vous pouvez faire. Je le dis souvent. Il fait une guerre à la féminité parce qu'il nous explique qu'en gros, pour être heureuse quand on est une femme, il faut qu'on se comporte comme un homme, notamment dans les relations amoureuses. Alors ça a peut-être permis à quelques très rares hommes de vivre comme des Don Juan, mais il faut dire que la majorité des hommes et des femmes ont sombré dans la solitude, dans la dépression, dans la dégradation de soi, et sont surtout dans l'impossibilité de construire une relation stable et saine sur le long terme. Il y a aujourd'hui une solitude masculine énorme. Le simp en est un exemple parfait. Un homme isolé qui cherche à combler son isolement en s'attirant les faveurs de femmes sur internet à distance parce qu'elles sont devenues trop difficiles d'accès dans le réel. Bref, la révolution sexuelle et ses conséquences ont été un désastre pour l'Occident. Et c'est sans compter sur la diabolisation de la maternité portée par le discours féministe, alors que la maternité est le fondement crucial de chaque civilisation qui se respecte. Quand celle-ci est vue comme rétrograde et humiliante, tout le reste est en passe de tomber. Si c'est ça le progrès, moi je choisis plutôt le Moyen-Âge. Donc, je ne suis pas féministe, car ce n'est pas dans l'intérêt des femmes, ce n'est pas dans l'intérêt des hommes non plus, c'est encore moins dans l'intérêt de la société, et en plus il y a un côté victimisation et ouin-ouin sans trouver de solution qui mérite un peu le poil. Cependant, et c'est là peut-être où je vais me différencier des vidéos que vous avez pu voir sur ce sujet, sur la critique du féminisme en général, c'est que je ne me considère pas traditionnaliste non plus, et pas conservatrice non plus. Pour moi, ce sont des termes qui sont trop flous et qui ne répondent pas aux problématiques que soulève le féminisme. Et puis surtout, ce sont des modèles qui sont devenus inadaptés en fait à la société actuelle. Donc ce n'est pas uniquement à cause du féminisme ou de la gauche, mais à cause de conditions matérielles et concrètes qui évoluent. Les modèles de relations hommes-femmes ne se décrètent pas comme ça. Ils existent parce qu'ils sont possibles concrètement et qu'ils offrent des solutions. Ainsi donc, si les conditions concrètes disparaissent, d'autres modèles prennent le dessus, même s'ils sont négatifs. Je vais vous donner un exemple très simple qui va vous faire comprendre ce que je veux dire, notamment sur le plan économique et l'apparition du salariat généralisé. Il faut travailler pour vivre et avec la hausse du coût de la vie, les deux parents se mettent à travailler et ne sont mères au foyer que celles qui peuvent se le permettre. D'ailleurs, le modèle de la femme au foyer des années 50, c'est pas un modèle traditionnel. Parce que si vous voulez, dans une société traditionnelle, les... Ça me fait rire parce que j'ai même plus besoin de parler parce que tout ce qu'elle dit, c'est... De toute façon, on a répété maintes et maintes fois. Donc, en fait, c'est parfait. En fait, elle me fait mon live. J'ai même plus besoin de parler. Tu vois, je me pose et je me dis, ouais, j'aime bien les lives comme ça, tu vois. Où j'ai même pas besoin de parler. Et puis, je mets un intervenant qui me rejoint sur tous les points et qui répète tous les principes qu'on a pu voir. Voilà, j'ai plus rien à faire. On a juste à se poser et à savourer ce nectar que l'on nous propose. Et moi, de mon côté, je peux même aller me chercher une petite citronnade. Mais bon, je dois être quand même là pour superviser au cas où elle dirait quelque chose de bizarre, on ne sait jamais. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est très exact. Et ce qu'elle va dire là, je pense, dans quelques secondes, c'est encore une fois un point qu'on avait soulevé. Et vous allez comprendre, je vais revenir là-dessus quoi qu'il arrive, je vais la laisser parler. Les familles du voisinage se connaissent, s'entraident, partagent leur vie. C'est pas une femme seule qui passe sa journée chez elle pendant que les enfants sont à l'école et que les hommes sont au travail. Et je l'ai vu par exemple concrètement dans mon enfance. Avec 9 enfants à la maison, ma mère était femme au foyer, donc elle ne travaillait pas. Mais ça, elle a pu se le permettre uniquement avec des conditions très spéciales. C'est que mon père travailler suffisamment pour faire vivre toute la famille. Mais j'ai vu aussi que ma mère était quand même très seule, notamment à cause des déplacements géographiques fréquents qu'on a dû vivre. Eh bien, elle n'avait pas ses grands-parents, ses parents à proximité, des membres de sa famille qui auraient pu l'aider. Elle était quand même souvent très seule. Et avec une société atomisée et très individualiste, c'est pas vraiment sur ses voisins qu'elle aurait pu compter. Donc c'est normal que ce modèle de la mère au foyer, il ait quand même été remis en question. Donc même pour elle, avec des conditions relativement favorables, c'était difficile. Ça n'en fait donc pas du tout un modèle réaliste pour la majorité des femmes aujourd'hui. Mais comme il faut bien se définir... Tu vois, là, ce qu'elle vient de dire, tu vois, c'est intéressant. Ce qu'elle vient de dire, c'est très intéressant. C'est que son père travaillait beaucoup, il voyageait beaucoup. Et donc, on comprend une chose, c'est que même de nos jours, tu vois, ce modèle de mère au foyer n'est applicable, excusez-moi, que si le mari exerce un haut poste ou un travail quand même très rémunérateur, mais par contre, qui lui demandera beaucoup de temps.
Okay, parce que ça serait quand même idyllique de penser que les riches ne travaillent pas. Hein. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que généralement, les grands chefs d'entreprise font beaucoup de sacrifices, voyagent beaucoup, sont très occupés et n'ont pas forcément de temps pour leurs femmes. Okay, même quand ils rentrent à la maison, ils sont crevés. Ne pensez pas que les riches ne font rien. Ça, c'est encore une fois une pensée assez spéciale de nos jours, une pensée populaire de penser que les riches ne branlent rien. Non, les riches sont même, je peux vous l'assurer, les plus gros bosseurs. Mais vous voyez, si on remonte encore une fois dans le temps, ce qui est assez drôle, et du coup ça va aller en contradiction avec ce qu'elle vient de dire, mais vous allez comprendre pourquoi, c'est qu'auparavant, même un homme de classe moyenne, okay, pouvait, et du coup, là par contre c'est autre chose, pouvait avec un boulot normal subvenir aux besoins de sa famille. Je ne dis pas qu'ils allaient rouler sur l'or, je ne dis pas qu'ils allaient vivre la vie de rêve, mais pouvait subvenir aux besoins de sa famille. Avec un seul salaire, ça c'était il y a quand même un bon bout de temps, hein, avec un seul salaire, en exerçant un métier totalement, un métier très noble, hein, un métier, mais totalement normal. Pas de chef d'entreprise, pas de... Non, juste en allant soit à l'usine, soit en exerçant un métier comme boulanger ou peu importe, pouvait subvenir aux besoins de toute une famille. On a simplement perdu en pouvoir d'achat. C'est aussi simple que ça. Oui, les femmes sont rentrées dans l'équation, mais à contrario, on a perdu en pouvoir d'achat. Tout devient plus cher et les salaires n'augmentent pas forcément. Conséquence, on a perdu en pouvoir d'achat. C'est tout. Définir d'une certaine façon, si je devais choisir un terme, j'utiliserais plutôt celui de réaliste. Alors je sais bien que chacun pense que sa vision des rapports homme-femme est réaliste, pour autant si j'adopte ce terme, c'est parce que j'essaie de me fier à des éléments concrets et observables pour comprendre. L'important, c'est moins l'étiquette qu'on utilise pour se définir que ce qu'on pense concrètement. Bref, ce qui importe, c'est qu'on trouve une manière de vivre ensemble, on s'entend. C'est justement pour que les plus personnes ne puissent faire 9 enfants que la vie devient de plus en plus chère. Ah bon? C'est ce que l'État t'a dit? Faut croire que l'État est bon pour donner de bonnes excuses. L'État est très bon pour... Ah oui, en plus là, apparemment j'ai entendu une connerie comme quoi ils vont couper le gaz ou bien je ne sais quoi une fois par semaine. Ou... Il y avait une sottise comme ça là qu'ils essayent de faire passer. Tiens, dites-moi un peu là, c'est quoi ça? J'ai entendu ça, tu vois, dans mes oreilles. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça là? C'est quoi ces conneries là? Non, encore une fois, tu vois... si tu écoutes, c'est quoi, non, c'est pas l'électricité, non, c'est autre chose. Il y avait une réforme qu'ils veulent faire passer, là, attendez, je vais juste augmenter la luminosité. C'est encore une fois, tu vois, non, c'est faux. C'est, si l'État t'a donné ça comme raison, mon ami, pose-toi des questions. Oh, vous savez quoi, vous allez perdre en pouvoir d'achat pour que vous fassiez moins d'enfants. Et puis c'est dans l'intérêt de la planète parce qu'on commence à être de plus en plus. La planète est trop peuplée. Du coup, vu que la planète est trop peuplée, ben on va réduire votre pouvoir d'achat. Mais c'est pour vous, les gars. Hein. C'est pour vous. Attention, on ne fait pas ça pour nous. On n'y gagne rien, nous. Hein. Forcément, vous allez bosser plus, rapporter plus d'argent, on va moins vous payer. Mais vous n'y gagnez rien. Ne vous inquiétez pas, les gars. Tout va bien. C'est pour votre bien. C'est pour pas occuper la planète. Si tu les crois, mon ami, je vais bien t'avoir comme client. Il y a moyen de te plumer, toi. Tu m'appelles, hein, je te prends tout de suite. 5000 euros les 1 heure. Tiens, toi, tu seras un bon client pour moi, toi. qui soit positif pour les femmes, positif pour les hommes, positif pour la société. Ils veulent faire quoi? Minimiser quoi? La conso de gaz, mais c'est fake. Ah ok, bon ben ça va alors. Je me disais bien que c'était pas possible ça. Quoi qu'il arrive, même s'ils veulent faire cette réforme, ça passera pas. Les gens vont devenir fous. Hein. Ils viennent de sortir de l'épisode du Covid. Tu vois, déjà mentalement, c'est assez dur de se rendre compte à quel point est-ce que l'État a un pouvoir sur eux. Ils viennent de le découvrir. Alors si en plus de ça, tu leur fais un nouvel épisode avec « On vous coupe le gaz » ou peu importe, pendant un jour, les gens vont vraiment câbler et je pense que des émeutes risquent d'arriver, crois-moi. Il vaut mieux pas qu'ils fassent ça. L'essence est déjà suffisante. Tu vois, déjà en ce moment, on sent vraiment une... C'est un peu chaud en ce moment. Les gens sont vraiment à fleur de peau. L'essence, déjà, c'est beaucoup. Faudrait pas rajouter autre chose là. Franchement, je sens que ça va exploser. Le pays va très mal. Hein. Moi, je me casse à Dubaï. Ça commence à bien faire. Société. Mais alors, le réalisme, à quoi sert ce modèle? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on veut que les relations hommes-femmes deviennent plus saines, il faut qu'on se repose sur des principes réalistes et qu'on sorte de l'idéologie. Si je devais choisir 4 de ces principes, ça fait beaucoup de listes. C'est intéressant ce qu'elle vient de dire, sortir de l'idéologie. Tu vois, on en parle souvent, oui, c'est utopique, c'est bien beau, mais restons quand même dans la réalité.
Mesdames, il y a des choses malheureusement qui ne seront jamais possibles. Et vraiment, c'est la chose que je pointe à chaque fois du doigt chez les féministes, c'est qu'elles ne sont pas dans la réalité. Elles ont du mal avec la réalité, elles ont du mal avec reconnaître la réalité. C'est bien d'avoir des rêves, encore une fois, mais quand tout votre discours, pratiquement 90% de votre discours est basé sur des rêves, c'est dur pour nous de vous écouter. Parce que, tu vois, nous, on est des gens, on se bat tous les jours, on essaie de rester terre à terre, on essaie de voir les choses en face, et on a simplement l'impression de voir des personnes en face de nous qui ne voient pas la même chose que nous, qui ne vivent pas dans le même monde que nous, et encore une fois, qui ont une vision mais utopique et mielleuse de ce monde, parce qu'elles ne veulent pas voir les injustices, elles ne veulent pas voir la vérité de celui-ci, peut-être parce que cela leur fait mal, je ne sais pas, mais encore une fois, c'est super dur de communiquer avec une féministe qui ne veut pas voir la réalité. Encore une fois, une féministe qui ne veut pas voir la réalité, c'est peut-être 60-70% des féministes, et c'est compliqué. Et chaque fois qu'on a pu analyser des féministes, c'est toujours le même problème, c'est vraiment une certaine désillusion, une envie d'aller à l'encontre des faits et de la réalité. Et lorsque tu ni la vérité, tu n'es plus cohérent, parce que la vérité n'est pas bienveillante ou bienveillante, elle est ce qu'elle est, c'est la vérité, et tu ne peux pas la nier. S'il y a bien un slogan que j'ai prôné durant tous mes lives, c'est « on ne peut pas nier la vérité ». Bien. Mais vous allez voir, vous allez me suivre, je dirais numéro 1, admettre des différences biologiques fondamentales. Donc déjà, on va sortir des délires hollywoodiens, une femme de 50 kilos qui met à terre deux bonhommes qui font deux fois son poids à main nue, ça n'existe tout simplement pas. Les femmes, elles ont plein de qualités que les hommes n'ont pas, mais porter des choses lourdes n'en fait pas partie. On en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd. Par contre, les femmes sont en général plus consciencieuses que les hommes, ce qui est quand même très utile pour faire tenir un couple, une famille, une entreprise ou même une civilisation. Ouais, faire secrétaire, par exemple. C'est vrai. Hein, ça, tu vois, je l'ai toujours dit. Hein, c'est encore une fois, mais allez, ça va pas, mais... Si moi, les gars, c'est vrai, tu mets une secrétaire, tu mets une secrétaire, prends une femme, mon ami. C'est les meilleurs dans ça, je te jure, c'est carré. Tu mets une femme chez toi, tu vois, canapé, c'est nettoyé, tout est... Vraiment, c'est précis, une femme. Hein. C'est vraiment un truc que nous, on n'a pas, tu vois, par exemple. Alex, t'es vraiment fou. Des différences psychologiques de base. Il y a des différences psychologiques évidentes entre les hommes et les femmes, que ce soit au niveau du QI, de la personnalité ou encore des troubles psychiques. Secrétaire, option décolleté ? Non, mon ami, je ne mange pas de ce pain-là. Hein. Moi, j'ai une femme. Moi, je ne mange pas de ce pain-là. Ça sera sans moi, mon ami. Tu joueras sans moi sur ce coup-là. Non, pas option décolleté pour moi, non. Toi, tu prends quelle option, toi ? Ah, option mini-jupe ? Ah, moi aussi, je ne mange pas de ce pain-là. Moi, je prends option juste compétente. Ça me va amplement. Vous c'est quelle option, vous, les gars? Dites-moi un peu vos options, là. Putain, tu sais, on va nous traiter de misogyne et tout. Les féministes, elles vont venir, regardez ce qu'ils demandent. Ils demandent une femme avec option. Mais quel connard! Ah, doucement, doucement. J'ai le pull LGBT. Je suis intouchable et je suis une femme. Je préfère le rappeler. Lorsque je fais mes lives, à partir de maintenant, je suis une femme. N'oubliez pas, je l'ai déclaré. C'est noir sur blanc. C'est sur YouTube. Je me considère comme une femme. Donc... le débat s'arrête là. Je suis une femme. On ne peut pas m'attaquer. Je suis gender fluide. Je préfère le rappeler. Je suis donc une femme lors de mes lives. On ne peut pas m'attaquer. C'est terminé. Échec et mat. Et si vous allez à l'encontre de mon discours, vous reniez ce que je suis. Donc, vous allez à l'encontre de vos idéologies. Terminé. Voilà. Ça s'arrête là. C'est ce que je dirai au juge. Psychologique qu'on retrouve le plus souvent chez les hommes ou chez les femmes. C'est la raison pour laquelle il y a plus de prix Nobel masculins, de peintres célèbres, de sculpteurs célèbres, d'architectes célèbres masculins, mais aussi pourquoi il y a 95% des détenus qui sont des hommes. Ce n'est donc pas une société secrète patriarcale qui voudrait à tout prix cacher le talent des femmes. Je vais vous mettre en description. Ah oui, et ça rejoint d'ailleurs son point du début, transgresser. Transgresser plein de choses, transgresser l'inconnu, transgresser les règles. Ouais, on a énuméré un peu tout cela... au début de ce live, et puis bah, ça explique tout à fait son graphique. C'est pertinent ce qu'elle dit, hein. C'est pertinent, elle regarde les choses en face, pourtant c'est une femme. Donc franchement, j'applaudis la démarche, hein. Voilà, j'applaudis la démarche, franchement, pas mal. Il y a également une vidéo de Jordan Peterson qui explique très bien... Ah là là, notre ami Jordan. Alors, vous savez quoi, on va la voir juste après. Pourquoi les hommes et les femmes sont différents? On la regarde juste après, les gars? Vous voulez ou pas? Jordan Peterson, c'est toujours qu'est-ce qu'il est bon, qu'est-ce qu'il est bon. Vraiment, vous savez, je suis amoureux un peu de ce gars-là, je l'aime bien. Franchement, vous me connaissez, hein. J'adore les discours un peu vrais, discutables, mais vrais. Pourquoi les hommes et les femmes?
On va juste mettre pourquoi on devrait trouver. Ah, ça doit être en anglais. Je pense que ça traduit. Ah non, parfait. C'est... Ah merde, attendez. C'est traduit, hein, j'espère. Parfait. C'est sous-titré ou c'est traduit? Attendez. Parfait, c'est sous-titré. Ok, c'est bon. Allez les gars, on repart sur la vidéo. Les différences psychologiques entre les hommes et les femmes. Ces différences, elles sont si résistantes que même dans le pays le plus égalitaire entre hommes et femmes, vous trouverez la plus grande disparité de choix de carrière parce que chacun choisit de faire le travail qui correspond le mieux à sa personnalité. Et c'est d'ailleurs ce qu'on appelle le paradoxe scandinave. Et Jordan Peterson l'explique très bien dans la vidéo que je vous ai mise. Troisième principe réaliste, c'est que les hommes et les femmes, ils ont besoin les uns des autres. Déjà, il n'y a pas de reproduction sans cohabitation paisible. En outre, les hommes et les femmes ont des qualités complémentaires qui sont bénéfiques pour chacun. Les hommes tempèrent les femmes par leur assurance physique et les femmes tempèrent les hommes par leur richesse émotionnelle. C'est un élément de sagesse très bien raconté dans Lysistrata, une comédie grecque écrite par Aristophane en 411 avant Jésus-Christ. Les hommes, obsédés par la guerre, en oublient leur devoir envers leur famille et envers leur communauté. Les femmes se rebellent donc et font une grève de l'amour pour les faire revenir à leurs responsabilités et à la cité. Contrairement à l'analyse contemporaine qui en a été faite, cette pièce n'est pas un plaidoyer féministe, mais un appel à ce que les femmes utilisent le pouvoir qu'elles ont sur les hommes pour que les hommes dominent leurs excès quand ceux-ci mettent en péril l'ordre social. Le pouvoir féminin existe, il doit servir à ça. Le pouvoir masculin existe et doit être employé pour que les femmes remplissent leurs fonctions sociales et collectives. En gros, chacun a pour fonction d'éviter que l'autre tombe dans l'égoïsme et l'obsession. Quatrième principe réaliste, les hommes et les femmes ont besoin d'avoir des sanctuaires à eux. Les hommes et les femmes sont complémentaires, ont besoin de vivre ensemble, mais pas tout le temps. Chacun a besoin d'avoir des espaces pour son sexe et pas pour l'autre. Que ce soit au travail, dans la vie scolaire ou étudiante ou sportive ou religieuse ou culturelle, bref, les hommes et les femmes ont besoin d'avoir des sanctuaires à eux pour se ressourcer. La séparation a du bon, tout est une question d'équilibre. Les garçons ont besoin d'apprendre à devenir des hommes de leur côté et les petites filles à devenir des femmes. Personnellement, je sais pas si vous le saviez, mais j'ai été pendant la grande majorité de ma scolarité dans des écoles privées et pour certaines non mixtes. Et à partir d'un certain âge, d'une certaine classe, les garçons partaient dans les écoles de garçons et les filles dans les écoles de filles. Je trouve que c'est un modèle de scolarité qui est beaucoup plus sain pour nos enfants en général. Ça crée un environnement plus propice au travail si vous enlevez toutes ces espèces de petites enjeux de séduction. Mes deux petits frères actuellement qui sont au lycée, ils sont dans un pensionnat pour garçons et ça permet d'avoir des vrais moments de camaraderie entre garçons, d'avoir du sport à leur niveau entre garçons. Ils auront bien le temps plus tard quand ils iront à la fac et qu'ils reprendront les études. Ce que je suis simplement en train de vous dire, c'est que cette anecdote personnelle me permet de vous dire que j'ai vu concrètement les bénéfices des sanctuaires propres aux garçons et aux filles à une certaine période de leur vie. Les garçons arrêtent de rechercher le regard des filles et de faire les gros durs et d'être parfois violents entre eux, et les filles était beaucoup, beaucoup moins peste parce qu'il n'y avait pas le regard des garçons sur elle. Quand ces espaces disparaissent, surtout à un certain âge, adolescence, enfance, où vous êtes en pleine période de construction, les rapports hommes-femmes tendent à devenir de plus en plus flous et à faire perdre des repères utiles pour devenir un adulte sain. Ce besoin d'avoir son propre sanctuaire, il est tellement fort qu'instinctivement, les hommes et les femmes qui en ont été privés cherchent à en recréer sans avoir toujours conscience de ce que ça signifie vraiment. Par exemple, les réunions non mixtes des féministes ne sont qu'une parodie des espaces féminins de la société traditionnelle. Pour moi, le Feminist Camp, c'est une vraie bulle d'oxygène. On se retrouve tout ensemble pendant un week-end. C'est là qu'on... Vous vous rappelez ? Vous vous rappelez ? On avait parlé avec l'analyse des grèves, avec, vous savez, dans les grèves, dans les troupeaux, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, dans le mouvement de foule, vous savez, quand ils se réunissent, donc on va appeler ça un troupeau. Ah non, on va encore dire, une fois que je parle d'animaux, on va penser que je vais faire un jeu de mots et les comparer à des vaches, vu que les femmes donnent le lait, etc. Non, ça n'a rien à voir avec ça. J'ai le pull, attention, j'ai le pull, je préfère préciser encore une fois, mais bref, la tête du troupeau en tout cas, c'est parce que je n'ai pas trouvé le mot, hein. Attention, je préfère le préciser, encore une fois, je l'encadre. La tête du troupeau, donc les personnes qui manifestaient et qui étaient au front, entre guillemets, parce que c'est pas le front de la guerre, hein, on se doute bien, eh bien, avaient créé du coup un espace réservé aux femmes. C'est-à-dire que les personnes dans cet espace-là, il ne pouvait y avoir que des femmes, pas d'hommes. Et c'était pour les victimes de viols ou d'agressions sexuelles.
OK? Donc il n'y avait que des femmes et les hommes étaient totalement interdits dans cet espace. Et on avait soulevé exactement le point qu'elle est en train de dire, hein, c'est que encore une fois, c'est en totale contradiction au final si on réfléchit bien avec leurs idées. Donc c'est assez drôle de voir cela. On se forme. Pas elle, oh là là. Est-ce qu'elle va réussir à nous caser son langage en l'espace de 30 secondes? Est-ce qu'elle va réussir à nous caser un peu un de ces petits mots magiques qu'on adore tant, hein, très, très plaisante, hein, on va voir, est-ce qu'elle va réussir? Partage entre nous, on partage aussi des moments qui sont sorores, qui sont joyeux. Et pour les hommes, ce besoin de se rassembler entre hommes, c'est ce qu'on appelle la fraternité masculine, est souvent mis à mal. D'ailleurs, on peut voir dans la culture populaire ou dans les blagues du quotidien qu'à chaque fois qu'il y a un rassemblement entre hommes, il y a toujours une suspicion d'homosexualité, comme si la fraternité ne pouvait pas exister entre les hétéros, ce qui est aberrant. Par exemple, les progressistes adorent répéter que dans Le Seigneur des Anneaux, Sam et Frodon ont en fait une relation homosexuelle, ce qui est évidemment complètement faux. Cette fraternité, elle est confirmée par Tolkien lui-même dans son œuvre et dans ses correspondances. Bref, il n'y a nulle part où les hommes peuvent former des fraternités sans forcément se faire traiter de misogyne ou d'homosexuel refoulé. C'est ce qui explique entre autres le succès de Fight Club. Vous savez que son auteur Chuck Palahniuk explique qu'il a écrit Fight Club pour combler le manque d'histoire et de modèles culturels masculins à notre époque. There are so few social models. Fight Club, les gars. Oh, putain, ce film, les gars, je l'ai vu 3 fois quand même. Fight Club. Oh là là. Tyler Durden. Oh là là, Fight Club. Les gars, ce film, tous ceux qui l'ont pas vu dans ce live, les gars, mais stoppez mon live. Ça ne sert à rien. Mon live est inutile en comparaison à ce film. Les gars, stoppez ce live. Vous reviendrez demain ou on verra. Pour l'instant, on ne veut pas de vous. Stoppez ce live, les gars. Allez voir Fight Club, les gars. Allez le voir, les gars. Incroyable. Masterclass, pépite, Nutella, noisette, Kinder Bueno, tous les mots que tu veux, chocolat, noisette, vanillé, île flottante, tout ce qui s'apparente à un délice, c'est Fight Club. Voilà. C'est Fight Club. Les gars, n'hésitez pas, tous ceux qui l'ont pas vu. Qui l'a pas vu, les gars? Qui l'a pas vu? Qui? Ah, j'ai l'impression que tout le monde a vu. Voilà, bon, ben ça me rassure. Sucré, miel. Non, les gars, franchement, ceux qui n'ont pas vu le film, plus sérieusement, allez voir ce film, c'est super intéressant. Super intéressant. Novels or stories for men. Donc vous l'aurez compris, je ne suis pas féministe. Le féminisme aujourd'hui, c'est le combat qui considère que c'est plus important de dénaturer la langue française que de parler des violences et des agressions sexuelles qui sont commises. Qui a pas vu? Fais gaffe, Modo, là. Il y a Lucas Assassin qui l'a pas vu. Bannis-le, s'il te plaît. Bannissez Lucas Assassin et Damien Bellarette qui l'ont pas vu, s'il te plaît. Bannis-les dès maintenant, s'il te plaît. Merci. OK. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est la dictature. Donc on bannit à foison. Voilà. On va instaurer la dictature parce que ça commence à bien faire cet espace commentaire. Tous ceux qui n'ont pas vu Fat Club se verront bannir définitivement de la chaîne. Voilà. Comme ça, au moins, c'est fait. Les modos, n'hésitez pas à bannir. Hein. Je précise, je suis très sérieux, bannissez. Voilà. Quotidiennement sur les femmes françaises par des gens issus de l'immigration. Si je dis « it rains » ou si je dis « il pleut », j'exprime la même pensée. Même si elle se fait par une autre langue, c'est pas parce que je dis. Oui, il bah pleut. Du coup, elle pleut, ça vous dérangera pas? Bah c'est bon, bah, alors on peut entendre. Non, elle pleut, que... voilà, terminé. Bah non, ça change rien. Terminé. Donc c'est parfait. On peut faire ce qu'on veut avec nos cheveux, mais du coup. Vous pouvez pas inventer. C'est pas à vous de décider. Si. Ah si, si, bah si. Non, c'est nous qui décidons comment on parle. Ah si, si. Vraiment une méprise totale. En fait, vous voulez nous faire taire? C'est la philosophie qui marginalise les garçons et les hommes et qui s'étonne après que ceux-ci puissent devenir violents et instables. Le problème incel que les féministes dénoncent, elles devraient comprendre qu'elles sont en partie responsables de ce phénomène. Si vous trouvez mon point de vue pertinent, que cette vidéo vous a intéressé, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, que ça vous prend 2 secondes et que c'est une forme de soutien très efficace pour moi. Activez la cloche de notification et suivez-moi sur Telegram. En bref, le féminisme, c'est une culture qui ne donne rien de positif à notre société et qui donne le pouvoir à des caricatures de harpies ou à des hommes dérangés qui se servent du féminisme contemporain pour protéger leur comportement de prédateur.
Il est temps de passer à autre chose. Il est temps de faire table rase de cette idéologie. Si l'on veut une société d'hommes et de femmes qui soient vertueux et forts, qui puissent s'épanouir pleinement et donner le meilleur d'eux-mêmes, il faut repartir de zéro. Repartir du réel, des sciences du vivant, de la matière et de l'esprit, mais aussi nous intéresser à nos mythes, nos légendes les plus anciennes, nos traditions, à notre culture classique, pour comprendre qui nous sommes, pour avancer, et enfin nous remettre à bâtir pour les générations futures. Très surpris, hein. Très surpris, franchement très surpris, et pas déçu, hein. Pas déçu. C'était vraiment une très bonne vidéo. Oula, c'était vraiment une très bonne vidéo. Franchement, c'était cool. Vous en avez pensé quoi, messieurs? Vous en avez